moins de vent ici. Il y a très peu de vent ici. Au gros du roi, il doit toujours en avoir. Mais là, on n'a pas. Tu te jettes à l'eau? Ah, toi, oui, c'est vrai que toi, tu as plus l'habitude du filet que. On dirait bien qu'on a plus de chances de se péter. Les prises se multiplient de part et d'autre d'une providence. Ça sera embrouille. Attends, Marlène, deux secondes, j'attends qu'il le relâche. Je viens. Voici notre plus belle prise de la journée. Même si notre poulpe n'est pas très gros, il est impressionnant à voir. Ah, il est petit. Il est piqué, ouais, il est petit. Il est petit. Mais il est pris. Alors c'est bon à manger ça? Ça c'est le plat local du Gros du Roi, la rouille au gros laine. Qui se prépare avec des poulpes et le poulpe de roche. Vous avez différents poulpes dans la région. Vous avez le poulpe blanc de vase et le poulpe de roche. La différence c'est au niveau des tentacules. Vous avez deux rangées de tentacules. Mm-hmm. Oui, le poulpe blanc a une seule rangée. D'accord, c'est comme ça qu'on les différencie. Voilà. Donc ça c'est un petit, hein, c'est un petit, oui. Pas des poulpes que l'on garde pour manger. Enfin, et en gros plan, on se croirait bien dans 20 milieux sous les mers. Et comme les poulpes, ça adhère, j'aurais du mal à me séparer de lui. Lâche-moi. Oui, c'est des ventouses, hein, c'est clair, il n'y a pas de doute. Il va falloir que je trouve un petit nom. Allons-y pour Poulpi. Liberté retrouvée, il va maintenant pouvoir regagner les fonds de la Méditerranée. Vous aussi, vous pourrez pêcher sur le littoral méditerranéen. Le Providence vous propose des sorties tous les matins de 8h à 11h, tous les jours, en saison et hors saison. Pêche au maquereau, pêche au thon ou encore pêche sur épave à la journée vous seront proposées. Notre partie de pêche est terminée, nous allons maintenant apprendre à naviguer toute voile dehors. Donc ça c'est un bateau qui a été, il y a différents constructeurs, hein. Il faut savoir que la France est le premier constructeur au monde de catamarans. C'est en France qu'on construit le plus grand nombre de catamarans. Celui-ci a été construit dans un chantier qui n'est pas habitué à construire des catamarans. Un chantier qu'on a découvert par l'intermédiaire de notre architecte. Donc le bureau d'architecture, c'est Mauric, basé à Marseille. Mauric qui était un ancien architecte naval qui a fait notamment un Pendwick pour Tabarly, qui a fait des vedettes pour la douane. Un précurseur dans la navigation, hein, que ce soit au niveau voile ou au niveau moteur, surtout au niveau des carènes. Ensuite, les petits points techniques, ben, c'est un peu comme le voilier de tout le monde. Hein. Vous avez, tous les voiliers se ressemblent. Hein. Vous avez des winches pour hisser les voiles, des winches pour régler les voiles, et différentes couleurs pour ne pas se mélanger les pinceaux, à savoir si c'est une drisse qui sert à remonter la voile ou si c'est une drisse qui sert à régler nos voiles. Donc là, on va se mettre face au vent, on va ralentir. Se mettre face au vent nous permettra de hisser la grande voile, la GV, hein, dans le jargon, on diminue le nom, hein, c'est GV. On va hisser la grande voile. Une fois qu'on aura hissé la grande voile, on décorera le foc pour après se mettre à peu près à 60 degrés du vent, qui est un bon rapport pour ce bateau. On se crée un petit vent apparent où on a les meilleures performances. Être musclé quand même. Je me disais aussi, il y en a un qui fait rien. C'est celui qui a le moins de muscles alors. Et toi là, et que si des fois la drisse s'engage. Ok, on est bon là? Ouais.
Le maxi catamaran Le Providence, c'est 20 mètres de long, 5 mètres de large. La grand voile fait 115 mètres carrés et le foc 55 mètres carrés. Le Genecker 150 mètres carrés, c'est une voile intermédiaire à l'avant du bateau qui peut être utilisée par faible vent. L'enrouleur et le winch sont électriques. Il y a ton riz qui va partir après, il faut faire attention, tiens-le dans la main, le riz orange. Bien que l'appareillage soit électrique, cela demande quand même pas mal d'efforts de manutention pour hisser les voiles. Ça a bloqué là, hein. Là, un petit peu, ouais, ça bute, mais ça vient. On va mettre un peu de... Nous filons au gré du vent, nous allons faire une halte à l'arrière. Hop. Vas-y, vas-y, monte. Vas-y, monte. Ah, ça bute. C'est pas loin, là. Encore un peu. Hop, c'est bon, c'est bon. Bougez pas, bougez pas. Eric, engage sur moi le moteur. Non, juste t'embraye et deux commandes. Voilà, c'est bon. Vas-y, du creux encore. Ouvre. On le règle après à la fin, ça. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe là, sinon ça allait pas? Non, la voile était plate. On a pas, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de vent, il faut creuser la voile pour avoir de la puissance. Donc voilà, là, on va couper les moteurs. Donc là, on va naviguer à quelle vitesse à peu près? Voilà, on est à, non, on est à 4 nœuds 5. Non, il y a 10 nœuds devant. Il y a 10 nœuds devant, on va grosso modo naviguer à la moitié de la force du vent. Oui, ce qui... Voilà, on croise un petit voilier là sur l'avant du bateau. C'est un voilier qui serre le vent, donc on va y passer derrière et laisser la priorité. On va faire un coucou, s'il est sympa, voilà, très sympa. Autre escale dans le territoire, nous allons faire une halte au Salin des Guemortes pour découvrir la fleur de sel. Rendez-vous sur l'exploitation d'un trésor local à préserver. Il existe une fleur, fragile et cristalline, qui ne se cueille qu'en été jusqu'à la mi-août. Fruit du soleil et du mistral, elle fait la fierté des Guemortes. De sa belle couleur rosée originelle, on lui donne le nom de fleur de sel. La fleur de sel, c'est une cristallisation un peu particulière des cristaux de sel. Sous certaines conditions climatiques particulières, c'est le temps que l'on appelle vulgairement la canicule qui est le plus porteur. Cette fleur de sel flotte à la surface. Ce sont des cristaux bien particuliers, très légers, qui flottent à la surface de la saumure. La saumure, c'est une eau chargée en sel. Et c'est le petit vent du matin qui la dépose sur les angles de table salante où on va la récupérer. Ce qui fait la grosse différence... Par exemple, c'est surtout la climatologie. Sa texture fine et soyeuse développe la puissance aromatique de votre cuisine. Et pour aller plus loin à la découverte de ce joyau naturel, certains n'hésitent pas à chausser les bottes, histoire d'imiter un court instant le rôle du saunier.
La fleur de sel se récolte au petit matin avec la plus grande délicatesse. Aucune machine ne peut remplacer le savoir-faire de l'homme. Trop légère, les cristaux qui la composent se briseraient et lui ôteraient toute sa douceur. Pour garder en mémoire une journée comme celle-ci, il n'est pas rare que certains repartent avec un petit souvenir. Ce que vous voyez, le circuit, là, c'est le circuit de la visite qui se fait en 4x4, qui dure 3h30. Tout au long de l'été et jusqu'à la fin du mois d'octobre, les salins font découvrir la richesse du site. Bien sûr, c'est en limitant l'impact, donc c'est capacité d'accueil limitée, hein, 8 personnes le matin, 8 personnes l'après-midi, simplement pas plus. La balade dure 3h30 minimum et on va parcourir le salin qui fait 11 000 hectares, donc c'est immense, hein. On fait des balades d'à peu près 40-50 km sur 3h30, 4h même parfois, en fonction de l'interaction qu'il y a avec les personnes et les choses qu'il y a à raconter. Et oui, les apparences sont trompeuses. Cette étendue calme et prospère est en réalité sous l'influence perpétuelle du mouvement des eaux. Les flamants roses profitent des espaces salinés pour s'alimenter. Ils trouvent des ressources alimentaires qui sont principalement les Artemia salina, qui se développent grâce à la gestion hydraulique qui est réalisée pour la production de sel. Au total, au printemps comme en été, ce ne sont pas moins de 5000 espèces que l'on peut observer au salin d'Aigues Mortes, soit la moitié des effectifs du littoral méditerranéen. Ces 11 000 hectares de zones humides que sont les salins d'Aigues Mortes constituent un écosystème unique et fragile, façonné par la saliculture et donc un peu par l'homme. Ah, les canaux, ils ont été construits pour l'activité, la production de sel. Et après, tous les étangs qu'on voit sont naturels. Et après, toutes les digues là, sur lesquelles on circule ont été réalisées par les saliniers. Plus loin, deuxième halte. Là encore, c'est un autre univers qui se dévoile sous vos yeux. Il suffira de balayer l'horizon du regard pour contempler des paysages uniques. Personne sur le fly au niveau des voiles à regard des vents, plus une personne sur l'avant du bateau, puisqu'on a quand même un angle mort. Marina Port Camargue et la Grande Motte aussi. C'est la fin de ce territoire à bord du bateau Le Providence. Je remercie évidemment tout l'équipage qui nous a permis de naviguer, de comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne. On a pêché du poisson, vous avez vu, c'était sympa. Allez, bonne semaine à tous, bon week-end. Venez vous balader en mer, c'est très agréable, surtout quand il fait beau. Bonne semaine à tous, à très bientôt pour un nouveau territoire. Ciao, bye.